Allez, go. Ouf. C'était un moyen. Allez là-bas. Il a craqué. Il a craqué. Ah, il y en avait encore 2-3 avec. Il a craqué. Il est beau. Eh ben, dis donc. C'est encore un gros morceau. C'est encore sacré spécimen celui-là. Ah, il était bien caché. Allez, on le remet à l'eau. Donc ça, c'était un chouane que j'avais vu. J'avais essuyé plusieurs refus. Il était sorti, il était un peu découvert. Il faut savoir que les chouennes, quand ils retournent, là il est retourné sous son arbuste, sous sa cachette, et bien, ils sont moins méfiants en fait. Et là du coup bah, je l'ai pris parce que j'ai été pêché dans sa cachette. Ah bah je viens d'en prendre un, j'ai pas mis la caméra en route. Ah! Ah oui, il y en a encore un là. Ah bah voilà. Moi bon, c'était le même que je viens de prendre, enfin le même en taille, hein, c'était kif kif bricot. Allez, allez. Laisse-toi faire, ça va aller plus vite. Ah, ils sont combatifs aujourd'hui. Voilà. Alors lui, il l'a bien engamé. Voilà. Allez, suivant. Pas très gros, mais un beau coin. Super. Allez, viens là. Encore un gros pépère. Ah là 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 là. Ah bah, décroché. Bon bah très bien. Ah bah il est à mes pieds. Il est là. T'es posé sur mes bottes. Ah, j'avais une. Oh, il est gros. Oh, celui-là. Ah, faut que je le sorte, celui-là. Oh. Voilà, celui-là. C'est un beau spécimen, celui-là. Attention. Waouh. Voilà. Attention, ça c'est encore un gros pépère. Hein. Oh la vache. Énorme. Énorme. Et il pose super bien. Magnifique quoi. Oh. Magnifique. Oh la journée encore. Ouf. Il m'a trempé gainé l'animal. Superbe. Bah, la journée se termine. Un petit peu fatigué quand même d'avoir crapahuté. Bon bah encore une grosse journée chouette. Hein. C'était vraiment pas gagné. Hein. Le temps était vraiment pas. C'est la première journée de gris là depuis un bon moment. Et puis finalement, j'ai réussi à m'en sortir quand même avec quelques belles prises. Ça fait plaisir. Donc peut-être que... Donc bah à tous, à bientôt. Profitez encore des dernières sorties mouches qu'on peut faire dans l'année. Moi, je vais peut-être encore en faire une ou deux au Poppers, je pense. Essayer de taper des chevennes, là, octobre, novembre, si la rivière est praticable. Et essayer de taper des perches. Les perches, c'est sympa à pêcher aux poppers. Donc à bientôt et puis amusez-vous bien. Bah tiens, avant de partir, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez cette plante-là? Ça, tout le monde la connaît, cette plante-là.
Et ben ça s'appelle du plantain. Et sachez que, alors ça a plein de vertus, et notamment si vous prenez les feuilles et que vous en faites une bouillie, voilà, et ben quand vous coupez, etc., c'est antiseptique en fait. Ça vous permet de désinfecter une plaie. Donc quand on n'a rien sous la main, ben sachez que le plantain c'est super. Ça sert aussi sur les piqûres d'insectes, ça peut servir aussi sur tout ce qui est ortie. Hop, ça va vous soulager en 5 minutes. Donc voilà, sachez que ça c'est antiseptique, ça s'appelle du plantain. Et tout le monde la connaît cette plante, le plantain. Donc il y en a plusieurs types, hein. Il y en a avec des feuilles en forme de lance. Et puis il y a du plantain dit majeur où les feuilles sont un peu plus grosses, mais voilà. Ça doit vous parler. Donc, ça c'est vraiment indispensable à connaître. On marche dessus tous les jours et c'est une plante qui a des vertus extraordinaires. Le plantain. Le plantain. Bon, sur ce, faut partir.